Le karaté avant la dernière guerre était une escrime avec la même idée que l'escrime, plus les poings, bien sûr, les pieds. Mais l'idée était d'avancer, d'évoluer et d'attaquer comme en escrime, avec les mains ouvertes ou fermées, etc. Parce que je publiais la revue Kodokan, la revue Judo Kodokan, et j'avais un traducteur. Et un jour, un de mes correspondants m'a envoyé Life, où il y avait des photos. Alors je lui dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il me dit, bah, c'est du karaté. Alors je lui dis, mais ça m'intéresse, parce que moi, je fais judo, et ça me manque les coups, alors je vais faire de la boxe française. Et qu'est-ce que c'est le karaté? Alors il m'a expliqué, on peut tout faire. Alors ça m'avait ravi, je me disais, comment on peut projeter, frapper, étrangler, on peut faire ce qu'on veut. Il m'a dit oui, théoriquement. C'est à ce moment-là que Don Dreger est passé en France pour un championnat France-Amérique de judo. Et puis, comme on correspondait, parce que j'avais édité l'annuaire du judo international, il est venu me voir et il m'a dit « Ah bon, c'est la boxe française que vous faites ?» J'ai dit « Non, non, c'est karaté. » Il me dit « Mais c'est pas ça le karaté. » J'ai dit « Ah bon, ben. » Il me dit « Je vais vous envoyer le film qu'on a fait devant MacArthur. » Et il m'a envoyé le film. Avec ce film et une visionneuse, bon, on a essayé de copier et de faire pareil. Alors on copiait ce qu'il y avait sur le film, pour la moitié de la leçon, et l'autre moitié, on se rentrait dedans. Ce qui fait que les premiers Japonais qui sont venus, comme Hiromu Suzuki, étaient un peu étonnés de voir ce qu'on fait. Mais les débuts sont difficiles. Le karaté est parfaitement inconnu et attire plutôt le mépris des disciplines en place, comme le judo ou la boxe. Par ironie, certains prétendent même que le karaté est une pure invention de Henri Play et surnomment la discipline karaplé. Parce que le premier qu'on avait ouvert avec des amis, c'était rue de Tournon. En 52, et ensuite j'avais pas envie d'être professeur, ça me déplaisait, hein. D'abord j'étais très occupé par mes sociétés, et puis après je me suis dit, bon, si je veux des partenaires, il faut absolument que j'ouvre un club. Donc j'ai cherché un dojo, et puis j'ai trouvé ici à la montagne Sainte-Geneviève. On faisait la moitié technique comme on pouvait, puis l'autre moitié combat. Et après, quand on a fait venir tout l'argent, je mettais toutes les recettes du club pour pouvoir inviter des Japonais, que j'allais en général choisir. C'était des catcheurs qui venaient, hein, des montagnes, hein, parce que je leur cassais la baraque, je prétendais qu'on était supérieur à tout. Heureusement, la boxe française n'est pas venue, parce que j'étais des copains, et j'en connaissais, qui m'auraient descendu très vite, parce que tous les boxeurs français de l'époque étaient judokas, comme moi. Catcheurs, c'était faisable. Alors je faisais des comédies, c'est-à-dire je leur disais, bon, vous venez me défier, il faut me signer un papier pour le cas où je vous tuerai, que je vous crève les yeux, ou des trucs comme ça. Alors il y en avait qui disaient, oh bon, non, si c'est pour faire l'idiot comme ça, non. J'ai dit, oui, mais nous, c'est un art martial, hein, c'est fait pour... Et puis il y en a d'autres qui disaient, bon, d'accord. J'ai eu beaucoup de chance.
Mais après, au troisième défi que j'ai gagné, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, faut que je fasse venir des Japonais. Moi, je rêvais, je croyais que c'était des grands battants. Mais pas tellement. Hein. Ah non, non, ils se dégonflaient tous. Hein. Pour mon plaisir, c'était pas mon job. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. J'avais, comme vous le savez, parmi les trois sociétés, il y en avait une qui fournissait du matériel pour les arts martiaux, pour le judo notamment. J'ai perdu toute ma clientèle de judo parce que j'avais lancé le karaté, m'en voulait. J'ai dépensé tout l'argent du club pour faire venir des Japonais. Non, c'était pour mon plaisir. Si les élèves ne se souviennent plus de moi, c'est pas important. Des fils ingrats. Effectivement, peu de karatéka aujourd'hui connaissent le rôle primordial de Henri Play dans la diffusion du karaté en France et en Europe. Pourtant, nombre de ses anciens élèves gardent et garderont toujours un souvenir très fort. Pionnier du karaté en Europe, expert en plusieurs arts martiaux, chevalier de la Légion d'honneur et médaille d'or de la jeunesse et des sports. Je suis ravi de passer après Michael Saïd, parce qu'en somme, il a bien défini toutes les formes de violence. Il n'a pas tellement donné de solution. Moi, je ne vais pas vous en donner une, mais je vais vous donner un moyen d'essayer de trouver votre solution. Le plus simple, à mon sens, c'est de retourner à l'éthologie humaine. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal que Conrad Lorenz avait développé vers le New Age, vers les années 60-70. C'est une époque dont on a parlé tout à l'heure pour les conflits, mais qui a été très riche en trouvailles.